des photographes et auteurs qui sont encore sur la route, qui vont arriver un peu en retard. Eva, Avril. C'est parfait. Bon, alors là, il ne manque plus que Éric Chapin et Jean-Luc Chapin et Éric Audinet qui tout à l'heure étaient bloqués dans un embouteillage à Angoulême. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir pour vous présenter ce livre qui est sorti tout juste des presses. Et donc, je vous présente. Et donc, c'est Dominique Moncandy qui va commencer à vous dire deux mots. Ensuite, Anne-Cécile Guilbard, qui est cheville ouvrière de ce livre-là. Et ensuite, Georges Monti, notre éditeur, co-éditeur, puisque ce livre a été édité par Atlantique, les éditions de l'actualité Nouvelle-Aquitaine de cette maison. Et Le Temps qu'il fait. Thierry. Non, pas du tout. Non, le maître d'œuvre, le grand éditeur. Donc, comme vous le savez sans doute tous, Le Temps qu'il fait est un excellent éditeur de photographie. Et pas seulement, évidemment, mais pour la photographie. Et son imprimeur est excellent aussi, évidemment. Thierry Girard, photographe, qui est dans ce volume. Catherine Ternaud, qui a écrit et qui a rencontré Marc Donneyer pour la première fois. Claude Poquet, Eva Avril, Marc Donneyer, Christelle Leris, qui nous vient du fin fond du Limousin. Et qui... alors, je vous rappelle, vous ne savez pas, mais la première exposition de Christelle Leris a eu lieu à Poitiers au Confort Moderne, avec Dominique Trucot ici présente, et c'était il y a une trentaine d'années à peu près. Voilà, donc des liens secrets sur la très très longue durée. À l'époque, elle n'habitait pas dans le Limousin, mais en Touraine, si je me souviens bien. Voilà. Voilà. Et comme quoi des projets peuvent mener à des longues histoires. Denis Montebello, qui nous vient seulement de La Rochelle, c'est pas très loin. Et Gabriel Duplantier, qui nous vient de beaucoup plus loin, puisque c'est du côté de Bayonne. Et nous sommes très heureux qu'elle ait fait le voyage pour cette occasion. Et justement, ce qui est très bien dans ce rendez-vous, c'est que beaucoup de ces photographes et auteurs ne se connaissent pas. Donc c'est l'occasion de faire connaissance pour la première fois dans certains cas. Certains se connaissent depuis très 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 longtemps, par exemple... Oui, bien sûr, voilà, évidemment. Voilà. Donc, Dominique Monconduit, qui est à l'origine de ce projet, va vous dire deux mots. Merci. Donc, merci à l'Espace Plein d'Espoir de nous accueillir. Je tourne le dos, mais on m'a dit qu'il faut me mettre là pour qu'on me voie. Bon. Bien, merci Jean-Luc. Donc oui, il m'appartient de rappeler que ce projet est né d'un souci qu'on partage avec ma collègue et amie Anne-Cécile Guilbard de l'université, de faire connaître un petit peu mieux, avec nos moyens modestes, mais quand même, les photographes de la région. Donc, il y a eu un premier projet à moyen métrage sur la question du tirage, qui a associé plusieurs d'entre vous, déjà. Et puis, on a, après le projet d'un travail avec le musée de Poitiers sur leur fonds photographique qui n'a pas pu se réaliser, eh bien, on a lancé l'idée d'un projet différent, d'essayer d'associer des photographes de la région, quelques auteurs autour de l'idée de mettre en valeur, de faire peut-être mieux connaître un public qui n'est pas forcément votre public habituel, chers amis photographes, peut-être un peu plus large. On avait envie, comme ça, du côté de l'université, de promouvoir en quelque sorte des regards croisés sur la photographie en région. Il se trouve qu'on a la chance, c'est mon avis, d'amateur, on a la chance dans notre grande région d'avoir un certain nombre de photographes de très grande qualité, alors qu'ils ne travaillent pas forcément sur la région, hein, c'est pas l'enjeu, mais qui ont évidemment un beau regard de photographe sur le monde en général et parfois sur la région, parfois non, ça n'a aucune importance. Voilà, donc je veux d'abord les remercier tous les 9 de nous avoir fait confiance, parce qu'il fallait, donc merci beaucoup. Certains, c'est des amis très proches, d'autres vont peut-être le devenir. En tout cas, je suis
très sensible à la confiance que vous nous avez accordée, vous les photographes pour commencer, les auteurs ensuite qui se sont associés au projet. Voilà. Évidemment, ce projet n'aurait pas eu de sens si on n'avait pas trouvé des maîtres d'œuvre. Et donc, je veux remercier chaleureusement Jean-Luc, parce que sans l'homme de l'art qui prépare les choses, qui fait des tas de mails, des coups de fil, etc., ça ne fonctionne pas. Merci Jean-Luc, qui a été très précieux sur ce projet, comme sur plein d'autres choses. Voilà, notamment le petit livre, la petite collection. Merci Héloïse, qui le seconde parfois sur ces projets-là aussi, et c'est important. Merci. Et puis, je voudrais dire un remerciement tout particulier à Georges Monti. Ce volume-là, clairement, on ne l'aurait pas fait si Georges n'avait pas été de l'aventure. Et c'est sincère, tu le sais, parce que d'abord, c'est un des vrais éditeurs de livres de photos de la région. Jean-Luc l'a dit, je le répète, parce que c'est une amitié. On a fait pas mal de projets avec 2-3 d'entre vous depuis pas mal d'années. Et puis, personnellement, Jean-Luc, je sais qu'il partage cela aussi, nous voulions, si ce livre existait, qu'il soit digne des photographes, c'est la moindre des choses. Et je crois qu'il l'est. Merci beaucoup, Georges. Voilà. Enfin, dernière chose, je ne vais pas être trop long, il m'appartient de remercier le CPER INSEC, c'est-à-dire le contrat de projet État-Région, INSEC de son petit nom, qui a permis que cette chose existe, que ce volume existe, et que cette réunion amicale existe, puisque c'est aussi l'occasion pour vous de vous rencontrer, pour nous de rencontrer certains d'entre vous, et puis peut-être pour le public découvrir des photographes que tous vous ne connaissez peut-être pas, et d'attirer l'attention sur une des richesses du patrimoine de notre région, puisque le CPR INSEC doit valoriser le patrimoine. Vous êtes le patrimoine, une partie du patrimoine, chers amis. Eh bien oui, ça fait plaisir. Merci à tous. Alors, Anne-Cécile. Tiens. Alors, bon, vous êtes habitués de la maison, vous savez que Anne-Cécile Gilbert et la cheville ouvrière avec Héloïse Morel, bien sûr, des rencontres photographiques tous les mois. Il y a au moins une conférence. Voilà, donc vous êtes un public fidèle. Et Anne-Cécile, évidemment, est dans ce projet et elle a écrit le texte introductif. Et tu pourrais nous dire, peut-être par exemple, pourquoi le titre ? Pourquoi ce titre un peu énigmatique ? Parce que, merci Jean-Luc, ce très beau projet de rassembler 9 photographes de Nouvelle-Aquitaine, 9 photographes, ça veut dire 9 œuvres absolument différentes. Déjà, une œuvre est constituée d'images différentes, est constituée d'images singulières. Le professionnalisme consiste à savoir en faire une série cohérente, mais là, 9 photographes, 9 séries différentes, le seul point commun, c'était la Nouvelle-Aquitaine. Alors la première idée, c'était donc ils ont ça en commun, ils sont en Nouvelle-Aquitaine. C'est un peu court pour problématiser, mais il y a une autre chose en photographie qui m'importe, en tout cas qui m'importe depuis longtemps, c'est que on parle souvent de l'œil des photographes, et c'est vrai qu'il importe, on est bien d'accord. On parle rarement de leurs pieds, et c'est plus rare. Cependant, c'est tout aussi important, et ce n'est pas seulement par artifice rhétorique, par facilité, que je suis passée par là. C'est que le point commun de ces 9 photographes, c'est que, à la différence de la peinture, la photographie se fait sur place, en face de son sujet, avec ses sujets. Quand je dis sujet, ça peut être des gens, ça peut être des choses, ça peut être des paysages, ça dépend. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, de fait, l'œil y est, mais que les pieds sont allés à la rencontre de ces gens, de ces choses, de ces paysages. Et cette situation, donc, de la photographie, qui est une évidence, en quelque sorte, de la photographie, me permettait de lier un peu de cette manière-là les œuvres si différentes, à chaque fois si singulières, dont chaque texte d'auteur qui est consacré à la série de chaque photographe parle de manière précise. Moi, ça me permettait de circuler rapidement, enfin pas rapidement, mais de manière un peu fluide, tout en n'oubliant pas ce qui est, pour moi, si important, en tout cas, qui fait mon admiration pour la photographie, c'est-à-dire le fait d'y aller, d'y être,
de s'y rendre, et si ce n'est pas un lieu à l'extérieur, de le faire, de le constituer, ce lieu, c'est la photographie en studio. Là, c'est pas qu'on y va, c'est qu'on le fait, ce lieu, pour pouvoir prendre des photographies à cet endroit-là. Et voilà, c'était une manière de parler de la photographie en essayant de dire quelques mots, mais très rapidement, parce que les textes dédiés le faisaient très bien chacun, de ces 9 œuvres, de 9 photographes en Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à les découvrir pour certains, à les retrouver pour d'autres. Et c'était, voilà, c'était une parade et une façon quand même de recentrer cette question fondamentale, ce plaisir-là qu'il y a à la photographie, qui est l'être-là de la photographe, l'être-là du photographe, et ce qu'on voit est bien passé, comme disait le vieux Barthes, devant le petit trou de l'appareil. Parfait. Très bien. Synthétique, c'est parfait. Après, on va rentrer dans le détail du livre. Peut-être, Georges, notamment, on vous parlera de la couverture. Georges, comment tu as... On a eu une grande question qu'on s'est posée sans cesse. On se dit, dans quel ordre mettons les photographes? Parce qu'il n'y a pas d'unité. Le seul prétexte, c'est que chacun d'entre vous vit en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ça ne fait pas une unité. Ça, et d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Donc, y compris les photos choisies par les photographes, les textes écrits sont de nature très différente. Et on se disait, mais comment faire? Et donc, l'ordre le plus indiscutable, c'est l'ordre alphabétique. Le problème, c'est qu'il y a des photos en couleur et des photos en noir et blanc. Et ce n'est pas le même traitement. Et donc, par chance, ça a bien fonctionné. Alors, Georges, tu peux nous expliquer peut-être techniquement comment ça fonctionne et quel papier tu as choisi, pourquoi, comment, enfin, voilà. Alors oui, la chance joue un grand rôle. La chance est l'alliée de l'éditeur, elle est l'alliée d'ailleurs de beaucoup d'artisans, d'artistes, de créateurs, en tout genre. Si je ne pouvais pas compter sur la chance, j'entreprendrais pas une chose comme ça. Alors, l'ordre alphabétique, je me suis dit, c'est assez... évidemment, c'est indiscutable. Donc, on va essayer. Alors, comment on fait pour essayer? On met les choses en train. Alors, il faut dire quand même, au passage, que si chaque photographe a donné le même nombre de photographies, la chose se présente un peu inégalement parce que les textes sont plus ou moins longs. Il y a des textes qui accompagnent les photographies, il y a des textes qui précèdent, etc. Donc il y a des choses qui, d'une certaine façon, créent un équilibre un peu dansant, si je peux dire. Alors, je fais juste une petite parenthèse parce que l'histoire des pieds des photographes, ça me donne à penser, je l'ai dit tout à l'heure à Dominique, Trucot, pas mon conduit, ça m'a rappelé un film sur Cartier-Bresson que peut-être tu ne connais pas. C'est un film documentaire sur Cartier-Bresson qui a été fait dans les années 70, peut-être, où on le voit énormément ses pieds. C'est un réalisateur qui a filmé beaucoup les pieds de Cartier-Bresson parce qu'il se déplaçait d'une façon assez nerveuse, comme ça. Et donc, pour aller prendre le poste d'observation qu'il avait élu, par exemple, hop, on le voit tac, 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 se déplacer avec les pieds qui glissent au ras du sol, qui ne se lèvent pour ainsi dire pas. Et c'est une chorégraphie formidable. Donc j'ai pensé que tu faisais référence à ça, peut-être, sans forcément... Oui, c'est ça, sans forcément en être clairement conscient. Bon, alors ça, cette parenthèse refermée... Il y a une part de hasard dans cette déambulation et eh bien, il s'est trouvé que ça pouvait relativement bien marcher. Il y a une problématique simple, c'est que les photos en noir et blanc sont imprimées en 2 tons et donc elles passent sur une machine ancrée en 2 tons, etc. Et puis les photos en couleur sont imprimées en quadrichromie, donc elles passent sur une autre machine, pas sur une autre machine nécessairement, mais enfin elles passent à part. Et donc, il fallait que les cahiers s'emboîtent, puisque c'est un livre qui, comme tous les bons livres, est composé de cahiers cousus. Eh bien, il fallait que ça tombe juste. Voilà. Alors, il y a eu une petite difficulté dont mon camarade Thierry a fait les frais, puisque précisément, sa séquence a été décalée d'une page.
pour une raison de cahier, quoi, de distribution en cahier. On appelle ça, en termes de métier, l'imposition. Rassurez-vous, nous ne vous imposons rien. Voilà. Alors après, le reste, si vous voulez, ça découle en partie, en grande partie, de ma désormais très vieille expérience. On a décidé de ne pas parler des décennies. Donc, restons vagues. Ma vieille expérience fait que je choisis tel type de papier, etc. Et puis, il y a une sorte de jeu délicat qui est toujours le même, qui est comment on fait pour faire le mieux possible dans un budget contraint. Parce qu'évidemment, si on n'a pas de limite de budget, alors là, on peut faire des merveilles, on peut faire l'absolue réussite. Mais voilà, là, on a un budget contraint, un délai contraint. Moi, j'étais très, très pris, comme je suis un petit éditeur solitaire et que je travaille décidément à un rythme qui n'est pas conventionnel. Eh bien, j'ai été pris par le temps. Donc voilà, entre le délai et le budget, eh bien, ça fait pas mal de choses à résoudre. Et c'est ça qui est plaisant, peut-être, quand on résout l'équation de toutes ces variables, eh bien, il y a une sorte de satisfaction. Voilà. C'est-à-dire pour la couverture, avec un budget plus important, ça voulait dire, par exemple, faire un papier différent, oui, pour la couleur et pour le noir et blanc. Par exemple. Parce que, par exemple, ce n'est pas le même papier du tout que... Le livre fait récemment avec Marc Denayer. Le livre que nous avons fait avec Marc Denayer, c'est un livre impossible. C'est un livre qui est tiré sur un très beau papier. Et qui dit très beau papier dit très cher papier. Donc, on aurait pu faire la même chose. Ça pose un problème particulier. Le papier en question, qui est magnifique, qui a beaucoup de vertus, d'imprimabilité, etc., a aussi un petit défaut, si j'ose dire, c'est qu'il est teinté. Il n'est pas blanc. Or, pour créer, quand on fait un livre uniforme, dans le cas du livre avec Marc, ce ne sont que des photos en noir et blanc. Du reste, il y avait quelques photos en couleur à la fin et on a résolu de ne pas les garder. Donc, voilà, c'est possible dans un cadre très uniforme. Mais là, il y a des photos en noir très noir, il y a des photos en noir plus clair, il y a des photos en couleur, des photos, disons, de chromatiques assez différentes les unes des autres. Donc, il faut trouver quelque chose qui est... c'est un peu, il faut presque le dire, malgré le côté désolant que ça présente, c'est une sorte de moyenne, c'est une cote mal taillée, comme on dit ordinairement. Ce qui est le propre, du reste, du contenu du livre également, c'est-à-dire ce rapprochement de 9 artistes si différents les uns des autres, c'est un peu, ça relève du hasard quand même. Donc il faut compter sur la chance aussi pour que ça marche du point de vue du cousinage entre les images. Et ce qui est très étonnant, c'est que, par exemple, dans le cas des photos de Marc Denayer, je trouve qu'elles sont très très bien imprimées, avec ce côté brillant qui est inhabituel. Et c'est par rapport au tirage qu'on a vu lors de l'exposition à Poitiers, c'est plus valorisé, enfin, c'est plus pas clinquant, c'est plus brillant, c'est plus... voilà. Et comme c'est des couleurs très presque évanescentes parfois, oui, ça fonctionne très très bien. Mais ça marche très bien aussi pour les photos de Claude Poquet, qui sont dans des tonalité plus rude, plus... Voilà. Et alors, comment... Sur le format, par exemple, on m'a déjà posé la question, pourquoi ce format-là? Donc, c'est un format utile. Il y a le moins de pertes possible, quasiment, dans... Oui. Alors, ça, c'est très clair. Hein. C'est un motif économique. C'est le format idéal, à 1,5 cm près. C'est-à-dire moins de 17-24. Voilà. Donc, c'est des feuilles qui font combien? 70-102, généralement. Et donc, ça permet de faire des cahiers de 16 pages dans du format utile, du format de base de 70-102. Ce qui est un format à la fois de papier et de machine.
Donc, vous voyez, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que ce format, il découle, en quelque sorte, de la contrainte. Mais c'est comme faire de la poésie en sonnet, Dominique. C'est des contraintes. Ça n'empêche pas qu'au bout du compte, le texte produit à l'intérieur de cette contrainte puisse être formidablement poétique. Voilà. Donc, on joue avec des contraintes. C'en est une. Et c'est réussi. Mais avec plus d'argent. Alors, je disais, je ne sais pas si je l'ai dit à quelqu'un tout à l'heure, mais heureusement qu'on peut parler d'art avec nos banquiers, parce que oui, je la refais, mais je la sais depuis ce week-end seulement. Heureusement qu'on peut parler d'art avec son banquier, parce qu'avec les artistes, on ne parle que de fric. Donc, excusez-moi de parler d'argent. Mais c'est évident qu'avec un budget plus large, on aurait pu faire un format absurde, par exemple, c'est-à-dire un format avec beaucoup de chutes, un format légèrement plus grand, un peu plus carré, et qui aurait produit beaucoup de chutes. Et donc, il aurait fallu imprimer deux fois plus, entre guillemets, c'est-à-dire deux fois plus de plaques pour faire le même nombre de pages. Vous voyez, tout ça, c'est des jeux, oui, avec la contrainte. C'est un format économe. Et qui permet en même temps, de façon assez digne, de présenter des photos qui sont en largeur, des photos en hauteur. Oui, c'est ça. Puis c'est un format intermédiaire que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est entre le livre de lecture, qui est légèrement plus petit, ce qu'on appelle en édition courante, en littérature, le grand format, qui fait qu'on appelait autrefois l'inoctavo, qui fait généralement autour de 14-15 cm de large sur 19, 20, 21 de haut, voilà, bon. Donc c'est un peu plus grand et c'est un peu plus petit que le format qu'on utilise généralement pour les livres d'images, qui est aussi généralement plus carré. Bien, alors cet intermédiaire-là est un intermédiaire commode, parce que c'est pas un livre de poche, ça tient pas vraiment dans la poche, mais ça tient dans les rayons des bibliothèques, ce qui n'est pas le cas de tous les livres, par exemple celui de Marc, que nous avons fait récemment, pas facile à caser dans une bibliothèque. Oui, ça rentre dans la catégorie beau livre. Voilà. Et chez les libraires, c'est sur une table différente. Voilà, et c'est plus cher aussi. Voilà, voilà. Quoique, ça reste. Ça, c'est vendu 20 euros, donc c'est pas tellement cher. Et l'autre, c'est 27 euros, c'est quand même plus. Oui, c'est très clair. Mais c'est un livre qui est plus de deux fois plus important en surface, en quantité de papier, etc. Donc, voilà. Très bien. Alors, donc, profitez-en, parce que vous pourrez faire dédicacer ensuite le livre à tous ceux qui sont présents. Ils sont d'accord. Oui, alors, ça, c'est rare. Hein. Non, si, c'est vachement bien. Alors, tout le monde n'est pas arrivé, mais... On va te prêter des stylos, crayons, on a tout ce qu'il faut. Alors, c'est posé le problème de la couverture. Comment faire pour un livre collectif? Alors, j'en avais parlé, on en a parlé souvent avec Dominique, et puis un jour j'en ai parlé à Claude Nori, qui est éditeur aussi, et il me disait, mais à chaque fois, quand il faisait la revue Contre-Jour, il disait, c'était un casse-tête, à chaque fois, qui on va choisir pour mettre en couverture? Et alors, j'ai trouvé une idée, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas Raoul Haussmann? Alors, beaucoup de gens ignorent que Raoul Haussmann a vécu les 25 dernières années de sa vie à Limoges. Vous savez que Raoul Haussmann faisait partie de ces artistes dadaïstes qui avaient fui Berlin, qui s'est retrouvé à Ibiza. Après, il avait trouvé qu'il y avait trop d'Allemands à Ibiza juste avant la guerre. Il s'est retrouvé à Paris. Et puis à Paris, ça sentait un peu mauvais aussi pour lui. Et donc, sa logeuse lui dit, mais voulez tranquille. Ben vous allez à Peyrat-le-Château dans le Limousin, j'ai de la famille là-bas, et c'est ce qu'il fait, effectivement. Et il reste. Alors, il voulait en fait migrer aux États-Unis, ça, il n'a jamais réussi à avoir le visa. Et ensuite, il s'est installé à Limoges. Il est resté à Limoges jusqu'à sa mort en 1971. Et il y a beaucoup de photos, il a fait beaucoup de dessins, beaucoup de photos, enfin, quand il était. Parce qu'il a perdu beaucoup d'œuvres, enfin bon. Et donc on a eu la chance avec Daniel Closier de rencontrer Roger Vulliez qui a tiré ses dernières photos. Et voilà, on s'est dit, c'est inattaquable. Ça permet de rappeler, on est dans le patrimoine. Hein, et là, Raoul Haussmann fait vraiment partie du patrimoine. Parce qu'en plus,
la compagne de Rollusman, Marthe Prévost, qui était beaucoup plus jeune que lui, a eu tout le fond et elle a tout de suite sympathisé avec le conservateur, le premier conservateur du musée de Rochechouart. Entrez, soyez les bienvenus. Jean-Luc Chapin, Éric Audinet, merci beaucoup. Oui, mais non, c'est pas Bordeaux, c'est Angoulême qui vous a coincé. Hein. Bien voilà, c'est un intermédiaire. Et donc, il se trouve que grâce à Marthe Prévost, le musée de Rochechouart possède la plus grande collection d'œuvres de Raoul Haussmann, en particulier des photographies. Voilà, donc on s'est dit, on sort, c'est un petit pictogramme, comment on appelle ça C'est un tirage contact, mais c'est la technique. En fait, c'est une lumière qui passe à travers un panier. Un rayogramme. Voilà. Un rayogramme, voilà, c'est ça. Voilà. Il en a fait plein comme ça. Voilà. Non, c'est une photo. Oui, voilà. Il y a toute une série comme ça. Oui. Oui, voilà, mélanographie, voilà. Il en avait fait à Ibiza. Et d'ailleurs, les paniers existent toujours, on les a vus, mais dans l'endroit où ils photographiaient. Mais ça, c'est fait à Berlin en 1931. Et donc, voilà, c'est une façon de rappeler qu'il y a eu d'autres. Et alors, si vous passez à Rochechouart, arrêtez-vous au musée, parce qu'il y a toujours une salle consacrée à Raoul Haussmann, pas forcément avec des photos, mais souvent, il y a des photos, des peintures, etc. Voilà. Et donc, quand on en a parlé, tout le monde semblait d'accord. C'est vrai, c'est une façon de, voilà, de. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait pu être Denis Roche. Mais voilà, Haussmann est mort depuis longtemps. Qui ça aurait pu être d'autres Pierre Loti. Mais Pierre Loti faisait pas. On cherchait une photo plutôt abstraite qui représente rien. Voilà, rien de précis en tout cas qui peut pas faire penser à un paysage, par exemple. Même si c'est marqué Nouvelle-Aquitaine, on fait pas la célébration de la Nouvelle-Aquitaine. La preuve, vous verrez toutes les photos qui sont. Il y a l'Inde, par exemple, avec Gabriel Duplantier, donc ça n'a rien à voir avec la région. Voilà, ce n'est pas le propos. Donc peut-être que maintenant, on pourrait faire raconter comment sont faites les rencontres, comment vous êtes regardés réciproquement. Par exemple, Catherine Ternaux et Marc Deneuillère, parce que les deux ne se connaissaient pas. Alors, évidemment, tous ceux et toutes celles qui sont là, on les connaît depuis très longtemps. Tout le monde collabore à l'actualité Nouvelle-Aquitaine d'une manière ou d'une autre, y compris, pas Éric Audinet, mais Jean-Luc Chapin depuis quelques années déjà. Donc avec une photo par-ci. Oui, bien sûr. Et nous, on ne se connaît pas depuis un demi-siècle. Et donc, mais par exemple, donc Catherine Ternaux, alors, qu'on adore parce qu'elle est publiée beaucoup à l'Escampette. Et elle est d'une très grande délicatesse et ses nouvelles sont extraordinaires parce qu'elle dit énormément de choses, mine de rien, quoi. Voilà, c'est ça qui nous plaît toujours chez elle. Et sa délicatesse, je pensais qu'elle pouvait rencontrer celle de Marc Deneuillère. Et vous êtes rencontrés et ça s'est bien passé. Racontez-nous. C'est toi qui as fait le. C'est, j'ai proposé. Voilà. Oui, j'ai joué un peu entremetteur. Non, je crois que tu as proposé. Non, c'est bon, ça marche. C'est bon, ça marche. Comme ça. Il faut parler comme ça, en face. La technique marche. Ouais, comme ça, regarde. Ah, voilà, comme voilà. Ça. Ah oui, ben oui, c'est tout de suite autre chose. voilà, je connaissais. J'avais rencontré Catherine Ternaux avec toi, Jean-Luc, quand on était passé au Centre national de la bande dessinée il y a un certain temps. Et. Quand tu m'as proposé de faire cette route ensemble, je me suis dit que c'était une aventure à tenter parce que je me suis mis à lire, évidemment, un minimum de choses que je n'avais pas lu avant. Et ça me convenait assez bien, ce climat à la fois très enraciné, à la fois très rêveur, très, très au-dessus des choses comme ça. J'ai bien aimé ça directement et je me suis dit, dans le fond, concernant cette série de photographies particulières, je trouvais que ça s'adaptait vraiment parfaitement bien. Donc j'étais évidemment éminemment impatient
de découvrir ces textes. Et puis, c'était au-delà de mes espérances d'une certaine manière, parce que ça correspondait parfaitement, plus parfaitement encore que ce que je pouvais imaginer, à ce que j'imaginais par rapport à ces photographies particulières de mon jardin que je fais depuis une vingtaine d'années. Mais voilà, je ne sais pas, Catherine, tu aurais autre chose à rajouter ? Eh bien, Marc m'avait envoyé les photos par Internet. Et je trouvais important aussi qu'on se rencontre. Donc, pour être sûre de ne pas trahir ce que je, enfin, des photographies, c'est important pour moi. Donc, de se rencontrer, de prendre un moment. Donc, Marc est venu à la maison. Il a fait la route, parce que c'est quand même une bonne route. Et on a passé un petit moment de regarder plus de photos et de parler un peu ensemble aussi pour... voilà, pour affiner le ressenti des photos, on va dire aussi. Et puis, je ne voulais pas que ça soit une projection de ma part. Je voulais plutôt que me laisser gagner par l'esprit des photos. Donc, voilà. Et après, le texte est venu assez naturellement. Et tu as choisi de mettre un texte devant chaque photo ? Parce qu'il n'y avait pas de règle. Hein. Non, ça, c'était qui était bien, d'ailleurs. C'est d'avoir carte blanche. Je pensais que tu allais imaginer une histoire, comme tu le fais souvent, mais ce n'était pas le cas. C'est Eduardo Berti qui l'a fait avec Laurent Millet, qui est absent. Mais, voilà. C'est vrai que jusqu'à présent, j'avais plutôt... mais c'est arrivé un moment, une période où j'écris plutôt de la poésie, depuis que je suis à la campagne. Et du coup, j'aime bien les textes courts et ces petites proses poétiques me semblaient bien répondre aux photos. Je n'ai pas eu envie de partir dans une histoire qui n'était peut-être pas celle des photographies. Voilà. Parfait. C'est vrai que c'est difficile de trouver l'accord entre les deux, parce qu'on peut dire qu'il y a même plein d'écrivains qui disent n'importe quoi, en fait, qui ne regardent pas. Non, mais c'est vrai, la quantité d'écrivains Mais ce n'est pas le cas ici, hein, évidemment. Mais il y a plein de gens célèbres qui font des textes sur des photographes ou sur des peintres, et on se demande s'ils ont vraiment regardé, parce qu'ils ont un discours. Enfin bon. Et alors, donc, pour Gabriel Duplantier, c'était compliqué, parce que je ne voyais personne. Et puis, on avait des hypothèses, etc. Mais on se dit, on n'était pas... Et puis, il y a une photo. Alors, donc, chaque photographe a choisi ses 7 photos. Et parfois avec un ordre, parfois sans ordre. Et donc Gabriel a mis du temps à choisir cette photo, et donc c'est des photos qui ont été faites en Inde. Et là, la photo du feu, il y a une photo où on voit un feu, c'est de l'éco-buage. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à donner mon vélo. Je me dis, ça va le... Et effectivement, ça fait tilt immédiatement. Et puis après, donc Denis, je t'ai demandé si ça t'intéressait, etc. Alors, Gabriel ne connaissait pas Denis, mais c'est normal. Ce n'était pas forcément la nécessité. Et tu as regardé toutes les photos qu'on peut voir de Gabriel sur son site. Et effectivement, tu as immédiatement été emballé. Et comment ça s'est passé ? Parce que vous n'êtes pas rencontrés, c'est la première fois qu'il se voit aujourd'hui. Oui. 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 Vas-y, Denis. Je suis contente. Peut-être, Gabriel, comment tu as choisi les photos ? Comment ça s'est passé ? C'était long, quand même, le choix. 7 photos, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est qu'au moment où tu m'avais contacté, j'étais pas libre de penser à ce. J'étais sur un autre projet. Mais c'est vrai que sur l'idée des photos inédites, j'ai fait ces photos d'Inde qui, pour l'instant, n'ont fait l'objet d'aucune expo ni de livre. Donc là, je me suis amusée. J'ai profité de ce livre pour aller vraiment faire une sélection, travailler les images. Et voilà, donc je suis très contente de pouvoir montrer cette petite série. Et du coup, je ne connaissais pas Denis. Et donc, il a reçu les photos sans explication, sans me connaître, sans que je lui raconte quoi que ce soit par rapport à mon rapport à l'Inde, par rapport à mon rapport à la photo aussi. Et voilà, donc j'ai reçu son texte assez vite. Et c'est à chaque fois une grande émotion de voir un texte plus littéraire sur son travail, voilà, surtout quand ça vient comme ça, spontanément.
Et voilà, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une série de photos qui est très importante pour moi. Alors, c'est vrai que la première photo, celle de l'éco-buage, je l'ai reçue avec un peu de circonspection. Je ne savais pas de quoi il retournait. J'y ai vu de l'éco-buage. Je crois que Gabriel m'a dit que ça devait en être. À l'instant, je lui ai dit, puisqu'on vient de me poser la question. Donc, je lui ai demandé aussi si je n'avais pas eu tendance à ramener l'inconnu au connu. C'est vrai que j'ai tiré l'éco-buage du côté des Pyrénées, sachant qu'elle habitait près de Bayonne. Mais néanmoins, c'est vrai que j'ai été devant des photos que j'ai essayé de regarder. Je les ai longuement regardées. Et j'ai essayé de me mettre dans le regard de celle qui regardait. Et qui regardait avec un regard qui fait un peu irruption dans une scène en cours. Alors celle de l'éco-buage. On est là devant un effet sans cause. Un miracle, mais qui n'a rien de miraculeux pour ceux qui le pratiquent. Et donc j'ai essayé d'épouser ce regard. Un regard qui, de temps en temps, c'est le sentiment que j'ai eu, fait un peu irruption. Il y a presque une effraction, mais qui se passe dans une scène qui, elle-même, est assez violente. Bon, j'ai ressenti un peu les photos comme noires, bien sûr, très noires. Âpre. violente même. Et il ne faudrait pas que je crie non plus. Donc, j'ai essayé de capter un peu cette violence, mais en même temps, dans le regard qui fait irruption ou qui peut faire effraction, il y a aussi beaucoup d'empathie, beaucoup de respect, et j'ai essayé de garder la même distance par rapport aux photos, c'est-à-dire essayer d'écouter ce que l'œil me dit, l'œil de la photographe. Et l'œil aussi des personnes photographiées, parce qu'il y a tout un échange, toute une série de questions-réponses, et c'était aussi mes questions et aussi les réponses que je retirais des photos. J'espère que je n'ai pas trahi. Non, pas du tout. Au contraire. C'est parfait. Christelle, tu pourrais peut-être nous raconter comment tu as choisi. Alors, Christelle a un travail très, très étrange et très rigoureux depuis très, très longtemps. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on se connaît depuis une trentaine d'années. La première fois qu'elle nous a montré des tirages, ça devait faire 25-25. Et aujourd'hui, elle a dit que c'était des posters. Hein, parce que maintenant, je fais du 6-6. C'est du tirage 6-6. Et donc, c'est quand même très straight. Alors, dis-nous comment tu as choisi cette série de photos, ce qu'il peut y avoir à y voir et comment ça fonctionne, parce qu'il y a un ordre très précis. Alors, la série de photos, elle s'est imposée quand tu m'as appelé. Tu voulais une série de 7 photos inédites. Et j'avais une série de 7 photos inédites que je voulais mettre dans un livre qui n'était pas celui-ci au départ, mais que j'ai prise pour que ça fasse partie de de ce collectif. Ensuite, je n'ai pas envie de décrire. Je crois que chacun va regarder et il va se passer quelque chose ou pas. Et laissons les imaginaires. Après, on peut parler si vous avez des questions à poser, bien sûr. Mais laissons les imaginaires vagabonder. Et ensuite, on peut parler de l'auteur qui n'est pas là, qui a eu un empêchement pour ce soir. Donc, Jérôme Felin, moi, ça fait presque 20 ans que je le connais maintenant. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le Limousin, parce qu'il habitait le Limousin. Il se trouve qu'il a eu vraiment un coup de foudre pour mon travail. Donc, ça nous a rapprochés, bien sûr. Et c'est un historien de l'art. C'est un auteur aussi, plutôt
de romans fiction, vampires, policiers et historiques. Et c'est quelqu'un qui sait... je trouve qu'il a une façon d'écrire sur l'art en général qui m'intéressait. Bon, il se trouve qu'on s'est bien entendu aussi. Et j'ai trouvé bien, il adorait cette série-là. Enfin, il adore cette série. Donc je me suis dit, il faut que ça soit lui qui écrive dessus. Quoi. C'était une évidence. Donc j'ai demandé, il a été d'accord. J'ai mis Jérôme en relation avec Jean-Luc et puis l'histoire est partie. Quoi. Oui, c'est vraiment un texte d'historien d'art. C'est pas un poète. Hein. Non, c'est ça, voilà. Il n'y a pas déliré sur les photos, parce qu'on pourrait... On peut se laisser porter. Je crois que je rencontre quelqu'un d'autre pour ça. Exactement. Mais non, alors ça, on peut citer le livre fait avec Cyril Héry. Christelle a sorti un livre avec un auteur de roman noir qui s'appelle Cyril Héry. Et ça n'a absolument rien à voir, puisqu'elle l'a autorisé à choisir des photos dans toute son œuvre. Il n'y a pas de cohérence, a priori, c'est plutôt des photos de nature. Et Cyril Héry, à partir de ces photos, sans être forcément descriptif, évidemment, raconte une histoire dans la forêt, comme d'habitude, avec une histoire un peu sombre. Et là, les photos sont des supports, sans l'aide vraiment, enfin, c'est presque un prétexte, mais en même temps, il y a une résonance entre les deux. Quoi. Mais c'est vraiment de la littérature, c'est pas du tout... Vous verrez, et vous pouvez me poser toutes les questions ensuite. Oui, c'est pas des contacts. On croit toujours que tu tires des contacts, parce que c'est exactement le format du négatif. C'est mais la c'est, légende. Mais c'est du tirage. C'est un tirage 6-6. Ouais. C'est plus compliqué de faire du tirage 6-6 que du contact. Non, je fais comme ça. Ça me convient. On pourra reparler une autre fois de la façon dont tu travailles, peut-être, parce que là aussi, c'est très rigoureux. C'est d'abord dans la tête. Hein. Oui. C'est d'abord là. Non, mais pour le tirage aussi, l'exigence. Oui. Christelle fait tout de A à Z. Mais Marc aussi. Hein. Non, pas tout. Bah, il a fait beaucoup de choses. Hein. Il fait plus de chimie. Marc ne fait plus de chimie du tout. Oui, mais il n'en fait plus, mais il en a fait. Ah bah oui, de façon extraordinaire. Mais il a abandonné la chimie. Non, mais il a arrêté aussi. Tu es la dernière. Christelle, tu es la dernière à faire encore de la chimie. Tu es la petite chimiste. Non, mais Christelle aussi, donc sa rigueur, c'est aussi, tu fais 4 tirages de chaque photo. Non, j'en fais 5 maintenant. 5 Ah oui, 5. Mais bon, je ne faisais pas comme ça au départ. Ouais, hein. Au départ, moi, je ne savais même pas ce que c'était qu'une édition limitée. Quoi. Et c'est ma première galeriste qui m'a demandé si j'en tirais beaucoup. Je dis, non. Elle m'a dit limite, ça sera mieux. Donc j'ai flippé, évidemment. Moi, j'étais toute jeune. Hein. Donc j'en ai fait à 15. Et puis ensuite, dans les années mi-90, je suis passée à 7. Et en 2000, je suis passée à 5. Voilà. Puis de temps en temps, j'ai un hors-commerce. Ça, c'est les cadeaux que je fais. Et donc, on peut dire que donc, tu fais tes 5 tirages, tu les numérotes, tu les signes. Ou pas forcément, d'ailleurs. Ils sont tous numérotés, en tout cas. Ouais. Alors, au départ, je faisais pas comme ça. Enfin, au départ, je faisais un tirage. Puis peut-être après, j'en faisais un autre ou pas. Et j'ai préféré travailler comme un graveur. C'est-à-dire les faire... Ça a été dans les années 90, les faire ensemble. Et puis, elles sont effectivement numérotées, elles sont datées, elles sont signées, référencées au dos de la photographie. Et le négatif. Alors voilà, les négatifs. Donc, j'ai eu un petit traumatisme parce qu'il y avait un photographe qui s'appelait Kertesh. J'avais croisé, mais très rapidement, et qui avait expliqué à ce moment-là que. Il faisait des photos, il y a des tirages qu'il faisait, mais c'était comme un carnet de croquis qu'il ne voulait pas, ça ne faisait pas partie de son œuvre vraiment. Donc moi j'avais retenu ça. Il meurt, il y a une expo à Paris que je vais voir, et qu'est-ce que je vois? Je vois ces fameuses photos qui lui servaient de croquis, qui étaient tirées. Alors là je me suis dit, ça va pas du tout là. Donc je suis revenue, je suis allée voir mon notaire, je lui ai expliqué l'affaire. Donc j'ai déposé un acte notarié en disant que quand je serai morte, je ne veux pas qu'il y ait ça. Puis ensuite, j'ai un peu réfléchi parce que l'humain est parfois dangereux et pervers. Je me suis dit, il vaut mieux que je règle ça de mon vivant. Donc je me suis dit, je vais cramer les négatifs. Donc je crame les négatifs. Je fais ma pollution annuelle.
Voilà. N'est-ce pas ? Hein ? Il y a pas de... Voilà. Certains vont mettre leur négatif dans des boîtes qui sont au fond de réserve. Du mal à les retrouver. Voilà, moi, il n'y a que des tirages originaux. Et alors, on me dit, si ta maison brûle, bah, je dis, ouais, si je traverse la rue, que je me fais renverser. Bon, bah, c'est la vie. Hein. Non, mais ça faut prendre bien. Des risques un peu, quoi. C'est la rigueur qu'on voit dans les photos aussi, donc il n'y a pas de problème. C'est aussi la rigueur qu'on voit dans les photos, il n'y a pas de... Oui, certainement. Si, ça marche. Et ça pourrait être aussi continuer la logique du graveur, puisque vous parliez de gravure et de la technique du graveur, en quelque sorte, qui fait ses 5 tirages à la suite, vous pourriez rayer le négatif. Oui, mais je sans le détruire. Je trouvais ça dangereux quand même. Ah, vu ce que je voyais, ce qui se passait autour de moi, je me disais. Tirer des négatifs rayés, et ça peut être très très bien aussi. Hein, c'est pas. Ouais. Et non, après, les gravures rayées ont une valeur. Vous connaissez la photo de Roger Vulliez, qui a fait la couverture de Contre-jour. On le voit en train de se couper. Avec un couteau, en fait, c'est négatif. Voilà, c'est très années 70, c'est parfait, ça. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà. Et donc, parfait, merci, Christelle. Peut-être, alors, Eva, on tenait beaucoup à ce que Eva soit présente dans ce livre. Et donc, parle-nous de ta grand-mère, parce que Eva photographie sa grand-mère qui est maintenant à 101 ans. Oui. 101 ans. Et depuis des années. Et voilà, il y a quelque chose qui se passe avec la grand-mère. Vas-y. Dis-nous comment tu as choisi, parce qu'il n'y a pas que la grand-mère, il y a aussi l'enfant, etc. Alors, comment j'ai choisi les images? Je crois que c'était juste une question de temps. Tu m'as appelé au moment où j'étais en train de vraiment travailler dessus. Là, je travaille avec ma grand-mère depuis déjà 5 ans et puis je continue. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai choisi ces photos-là, c'est que c'était le moment où j'étais en train de travailler dessus essentiellement. Sauf peut-être la toute première qui est en fait un cyanotype. Et donc pas une photographie numérique comme les autres. Et puis, voilà. Non, mais il y a un ordre précis qu'on a oui, suivi. Oui, c'est vrai que moi, je fais partie de ceux qui ont donné un ordre. Ouais. Pourquoi j'ai donné un ordre? Je crois que j'avais très envie en fait, qu'il y ait un jeu de regard entre ma grand-mère et donc mon fils sur un diptyque, on va dire, voilà. Et ça m'a porté. Donc, c'est vrai que j'ai imposé un peu l'ordre. Et comment tu as trouvé Axel Jonchery qui a écrit le texte qu'on ne connaissait pas? C'est toi qui l'as trouvé. Axel, on s'est rencontrés au workshop de Thierry Girard à la QPN à Poitiers, à Nantes. Donc, il y a quelques années. Et elle écrit beaucoup. Et j'aime bien beaucoup ce qu'elle écrit. Et elle avait déjà écrit un peu ce texte, elle l'a remanié après, mais je l'avais déjà lu en fait. Et voilà, du coup, ça a été pour moi une évidence. Quand tu m'as proposé de participer au projet, j'ai tout de suite pensé à elle parce qu'elle avait déjà commencé à travailler là-dessus. Et il y aurait matière à faire un livre entier sur la grand-mère? Parce qu'en fait, il y a aussi, mais c'est vrai, il y a aussi les objets qu'elle a conservés. Elle est dans une maison de retraite, donc on peut pas avoir tout ce qu'on veut. Et non, elle est dans une maison de retraite, par contre. Elle est chez elle. Chez elle, ah oui, c'est encore mieux. Et donc, mais elle a gardé certains objets. Elle s'est débarrassée de plein d'autres. Il y a des séries d'objets que tu as photographiés, par exemple. Ouais. Tiens, voilà. Ouais. Et puis, il y a eu aussi toute une série qu'on a fait ensemble pendant la pandémie où je lui ai donné un appareil photo jetable et donc c'est elle qui du coup faisait les photos de son intérieur. Enfin voilà, des jeux comme ça de réponses entre moi qui lui apporte des photos et elle qui m'en donne et on continue comme ça pour le moment. Parfait. Claude, alors on va continuer. Claude, comment as-tu choisi cette série de 7 ? 7, c'est Dominique Monconduit qui nous a imposé 7 photogroupes, 7 photos par photographe et 9 photographes. Ça ne peut pas être un chiffre pair, hein, c'est pas possible, ce qui est vrai. Hein. Donc, les 7, c'est dur, hein, c'est vrai que c'est dur à choisir. Fallait que je choisisse déjà une série qui était... Et donc, je précise que c'est Dominique Monconduit qui a écrit... Voilà, Dominique a... Un long compagnonnage. Tu vas prendre le micro rapidement. Voilà. Et donc, en fait, voilà, la Loire... J'ai travaillé sur la Loire, sans travailler sur la Loire. Je suis quand même allé... aux sources pour voir comment c'était. J'ai constaté que la Loire faisait 50 cm au démarrage. Voilà. Et donc, après, je me suis totalement écarté du... Le projet, ce n'était pas de faire un documentaire sur la Loire. C'était
c'était un prétexte à déclencher une envie de photographier et une envie de voyager. Quoi. Voilà, donc c'était un prétexte à être libre. J'ai pris un point A, un point B. Entre temps, il y a eu, enfin, le point B étant le Saint-Nazaire. Voilà. Entre temps, il y a eu la pandémie, voilà, plein de trucs. Et donc, j'ai mis 4 ans à faire l'itinéraire. Quoi, voilà. Mais j'ai quand même fait l'itinéraire. Comme à l'habitude, j'ai pas manqué 1 kilomètre de Loire. Mais finalement, on la voit très peu. Quoi, voilà. Donc, c'était pas tellement le propos. C'était de je fais des enquêtes le matin dans les cafés, je regarde la presse locale pour voir qu'est-ce qui va se passer dans la journée. J'y vais, je fais mais c'est quand même très axé sur le hasard, sur les rencontres, etc. Quoi, les petites pépites que je découvre, que j'ai envie de découvrir comme ça. Quoi. Et alors le texte. Dans la salle, il y a deux auteurs qui ont beaucoup écrit sur mes photographies, Anne-Cécile et Dominique. Voilà, donc, tout à l'heure, Gabriel parlait de l'émotion quand on reçoit un texte. Alors évidemment, c'est toujours, c'est plus que, ouais, c'est une émotion, c'est un bonheur, c'est voilà, c'est incroyable de recevoir des textes des auteurs qui ont écrit beaucoup pour moi. Donc, et alors pourquoi Dominique? Alors Anne-Cécile, elle a fait des textes pour moi qui sont magiques, et puis Dominique aussi. Et puis c'était peut-être autour de Dominique, je sais pas. Enfin, ça s'est passé comme ça. Anne-Cécile était déjà beaucoup occupée, peut-être. Et alors donc Dominique, c'est depuis, voilà, nous aussi on se connaît. Il a écrit depuis, on se connaît depuis 2002, je crois 2000 à peu près. Voilà, il a fait plein d'écrits sur moi. Il m'a aidé à produire des livres, des expos, etc. Et voilà, c'était. Donc, vas-y, Dominique, tu peux parler du texte. Toujours, d'abord dire que je ne suis pas écrivain, donc désolé. Anne-Cécile non plus, nous sommes des plumes au service d'eux, un petit peu modestement. Je dois dire que, d'abord, oui, je connais assez bien le travail de Claude depuis un moment. Et puis, on s'est parlé pas mal, quoi. Donc, d'une certaine manière, c'est toi qui l'as écrit, ce petit texte. C'est toi qui l'as écrit, ce petit texte, parce qu'on a parlé une heure au téléphone, parce que j'ai regardé tes photos, que j'ai l'habitude, je crois, de les regarder. Il y a des choses que je sens, je crois, depuis 20 ans que je suis ton travail. Et puis, il y avait l'ami Pierre Dovidio qui était avec nous, entre nous. Bon. Donc c'est le troisième personnage, voilà, qui n'est pas dans la salle, mais qui a écrit aussi trois fois. Un de nos grands amis qui a beaucoup écrit avec. Enfin, vous aviez un projet ensemble dans l'actualité de co-présence dans un lieu. La rubrique route qui a tenu pendant, bah, jusqu'à le décès de Pierre, qui a tenu pendant peut-être 10 ans, 15 ans, je sais plus. 2005 à son décès, 2017, non, ouais, non. Enfin, 60 numéros. Enfin, donc c'est, on a, j'oserais dire qu'on a écrit ensemble dans le souvenir de Pierre. Voilà. Voilà. Après, moi, je l'ai écrit de manière. Je ne suis pas écrivain, encore une fois, c'est assez oral comme j'aime le faire, et puis c'était notre conversation, c'était un dialogue entre nous et avec Pierre à l'esprit. Voilà. Et puis c'était une conversation qui ne date pas d'hier, quoi, voilà. Donc, et puis je glisse 2-3 choses sur la photo, il me semble, où j'essaye, comme ça, au-delà des petites blagues et puis et du regard, j'ai quand même beaucoup regardé les photos, tes photos, et voilà, il y avait l'idée aussi que ce petit parcours textuel... Il éclaire 2-3 choses sur ta pratique, sur la manière dont tu nous engages, nous, spectateurs, à regarder tes images. Ouais. Voilà, c'est tout. Modestement, essayer de proposer un mode de lecture, peut-être, ou des pistes de lecture de tes images. Tu abordes bien la cuisine du... Si c'est Anne-Cécile qui a trouvé les pieds, toi, tu connais bien la cuisine du photographe. Quoi. Ouais. Oui, quelques aspects. Ouais. Puisque j'ai le micro, je veux juste dire que... Genre, je t'ai parlé de chance tout à l'heure. C'est un livre, vous le verrez, chers amis lecteurs, c'est un livre qui rencontre aussi de la diversité, je trouve, des pratiques photographiques. Moi, je trouve ça formidable, sincèrement. On a eu quelques sueurs froides avec Jean-Luc, parce qu'on vous a laissé, vous, photographe, le choix des images, des séries que vous alliez choisir. Alors, je disais à Jean-Luc, mais attention, Gabriel, si elle choisit ça, il y a un problème avec Claude, parce que Claude a aussi fait des photographies en Inde. Alors, on ne voulait pas qu'il y ait un télescopage contre eux. Ça n'a pas tourné comme ça. Elles sont très belles, tes images, mais ça aurait été bizarre, au fond, que deux photographes de Nouvelle-Aquitaine nous balancent des photos. Bon, donc il y a une part de hasard, et je trouve, alors, très sincèrement, que moi, je suis très heureux de cette diversité. C'est diversité esthétique, évidemment, mais diversité d'approche.
il y a des générations différentes parmi vous, il y a des pratiques photographiques très différentes. Et je trouve que ça fait, pour moi, c'est une des richesses du projet et une des raisons d'être peut-être aussi finalement de ce projet. Je ne sais pas ce qu'en pense notre ami éditeur. Mais... Oui, c'est certain. Le grand écart qui existe entre certains d'entre vous, ou d'ailleurs des proximités qui ne sont pas respectées, entre guillemets, par l'ordre alphabétique, par exemple, des correspondances ou des cousinages qui sont contrariés par le fait que le livre est distribué par ordre alphabétique, eh bien, ça crée un objet assez curieux, il faut bien le reconnaître, et charmant peut-être à cause de ça. Je suis d'accord. Et alors, dans l'inédit, il y a Claude Nori. Alors, ce n'est pas inédit, mais Claude Nori a longtemps hésité. Bon, il avait envie de participer parce qu'il y avait Gabriel. C'est ce qu'il m'a dit. Mais oh, si Gabriel est là, non, j'y suis aussi. Et puis, donc, il ne savait pas trop. Il a hésité sur plusieurs séries. Il était en train, au moment où on l'a sollicité, il était en train de préparer le magnifique livre qui vient de sortir sur la photo des années 70. La photo française est extraordinaire. Hein, c'est vraiment un très beau livre, avec plein de témoignages. Ben justement, on retrouve Roger Vuillez et plein d'autres photographes. Et là, il nous a dit, ah, finalement, j'ai fait ma première série de photos publiées. Vous verrez, c'est avec des lunettes totalement kitsch, un peu bizarre, des lunettes qu'il avait achetées à Londres. Et en fait, il s'ennuyait, il savait pas. Enfin, il était dans une phase bizarre. Et il s'est amusé à photographier des gens portant ses lunettes. Il en a fait toute une série. Agnès Varda avait écrit, il connaissait Agnès Varda, c'était sa voisine, je crois. Elle avait écrit un texte. Il propose les photos et le texte à plein d'éditeurs. Personne n'en veut. Et donc, je crois que c'était en 75, je ne me souviens plus exactement. Et donc, il nous raconte ça en une page, parce que lui, il propose ses photos et son texte. En une page, il nous raconte toute cette histoire. Il dit, finalement, c'est comme ça que j'ai fait mon premier livre. Je me suis édité moi-même. Et c'est comme ça que j'ai créé les éditions Contre-Jour, qui continuent à travailler, évidemment. Il a été galeriste, enfin, il a fait plein de choses. On en a parlé, ça a été évoqué par Guillaume Geneste, lors de la journée sur le tirage. Et voilà. Et là, c'est totalement différent de tout le reste. Il est présent, donc Nori est présent en tant que photographe, mais aussi en tant qu'éditeur, puisqu'il nous raconte sa première expérience, comment est arrivée sa première expérience d'éditeur. Voilà. Donc, pour montrer cette grande diversité. Alors, un mot de Thierry Girard, qui lui aussi est allé en Inde, et on n'oublie pas évidemment. Mais oui, bien sûr. J'en reviens même. J'étais le mois dernier. Oui, j'étais le mois dernier. Donc. Ah oui, d'accord. Oui, vous êtes trois à être allés en Inde travailler. Oui. En fait, moi j'ai rencontré Anne-Cécile qui a donc écrit le texte, qui accompagne mes photos, il y a 5 ans, je crois, parce que j'étais en train de préparer un travail sur une ville roumaine, Iași, qui est en fait une ville jumelée avec Poitiers. J'avais un projet de financement, d'exposition, de tout avec Poitiers. On s'était rencontrés. J'avais envie, effectivement, qu'Anne-Cécile, dont je connaissais déjà le travail, puisse éventuellement écrire sur ce travail. Et le financement avec Poitiers, c'est pas fait. Ça fait partie des aléas de la vie de photographe, n'est-ce pas ? C'était une autre municipalité. Hein. Mais avec Cécile, avec Anne-Cécile, on a convenu quand même de se retrouver sur place en Roumanie. Et donc Anne-Cécile avait été invitée par l'université de Iași et elle m'accompagnait pendant toute une journée pour suivre un protocole très précis de travail, à savoir que l'idée c'était sur cette ville pour reconnaître en fait. Cette ville, j'avais décidé de la traverser d'une extrémité à l'autre en suivant des lignes de tramway. Et donc j'ai suivi comme ça 5 lignes de tramway, ce qui faisait entre 15 et 30 km selon les lignes. Et donc Anne-Cécile, alors je ne sais pas si Anne-Cécile s'est beaucoup intéressée à mes pieds ou à mon jeu de jambes,
Mais en tout cas, elle m'a vu déambuler. Et donc, elle a écrit un texte, tu as écrit un texte à partir de cette déambulation et de la manière dont on n'a pas fait une traversée complète de la ville, mais on a fait quelques kilomètres ensemble. Et donc, tu as regardé la manière dont je, à la fois j'arrêtais les gens pour leur faire des portraits, hein, avec mon trépied, mon appareil posé sur un trépied, etc. Donc, d'un côté comme ça, un petit peu sérieux et tout. Et puis la manière dont j'opérais dans l'espace urbain, à la fois pour photographier le paysage et puis des situations, différents types de situations urbaines. Et puis bon, ce travail, il a été exposé ailleurs. Lorsque Jean-Luc m'a proposé de participer à ce projet, je revenais de Lituanie où j'avais fait un travail sur une autre ville, Kaunas, un petit peu dans le même esprit. Et donc, finalement, on s'est dit, puisque Kaunas est complètement inédit, j'ai joué aussi le pari de l'inédit, on va adapter le texte à Kaunas, puisque finalement, c'est la même déambulation et la même approche. Donc, ce sont sept photographies d'une série qui, finalement, va être exposée l'année prochaine. Voilà. Où ? Au Photonal à Beauvais. Voilà. Oui, c'est encore grâce à Dominique Monconduit, cette rencontre entre nous, Thierry. Oui, je voulais juste te dire que c'était une belle rencontre parce qu'on s'est aperçu qu'on était vraiment sur un territoire photographique commun. Oui, alors Thierry revenait à Yash, que moi je découvrais, et ce qui m'intéressait, comme moi je ne sais rien faire à part regarder des photos qui sont faites, c'était de le voir faire. Et donc l'idée, c'était qu'on y allait tous les deux et que je regardais comment il faisait, puisque moi, je ne savais rien faire. Et Thierry avait donc cette avance sur moi qui ne connaissais pas les paysages. Et il y a eu un moment qui était vraiment très drôle, je ne sais pas si tu te souviens. C'est un moment où on discutait, donc lui, il avait son pied, ses appareils, etc. Moi, j'ai mon petit sac à main. Enfin, bon, voilà, on était tous les deux, on se promenait. Et à un moment dans le paysage, je lui dis, mais ça, ce n'est pas un paysage à toi. Et il me dit, mais oui. Heureusement que tu es là. j'avais trouvé un Thierry Girard dans le paysage. Alors sans doute parce qu'à force de voir des photos de Thierry Girard, on finit par se faire à son œil, ou bien parce que ton regard est contagieux et que si on se tient un peu près de toi longtemps, on finit par voir ce que tu vois. Mais le bonheur de ta réponse à cette idée saugrenue, c'était vraiment un vrai plaisir. Ouais, l'idée de te voir faire c'était vraiment passionnant pour moi. Merci encore. Et merci de m'avoir accompagné. Et c'est vrai qu'on peut dire que les photographes, comme beaucoup d'artistes, transforment notre regard. Nous, on s'amuse souvent avec Héloïse à retrouver des paysages de Claude Poquet. Ça peut être, la dernière fois, c'était à côté de l'imprimeur, au fin fond des Deux-Sèvres, et il y avait un ensemble reconstituer, on dit ça, c'est une photo de Claude, pour Claude Poquet en tout cas. Et donc, parce qu'il y a un truc qui s'est passé dans notre tête, on a tout décrypté, alors pas forcément consciemment, mais on se dit, ah, mais ça, oui, c'est pour lui, c'est la même chose. Voilà. Et c'est vrai que Thierry Girard, on peut aussi, alors, pendant très longtemps, il divisait ses photos en deux, il y avait toujours une ligne comme ça. Donc voilà, donc des fois, on se dit, mais ça, pas tout le temps, parce que c'est un peu fini. Pas que, mais hein. Si, il y a eu plein de photos comme ça. Ouais. Avec, c'est plus labyrinthique aujourd'hui. Bon, alors après, il y a des cas. Christelle Léris, c'est impossible de dire, voilà, ça c'est un paysage de Christelle Léris. Parce que c'est plus. C'est non, mais ce qui est juste un petit peu important là, dans le choix de cette série, aussi comme le travail que j'avais fait en Roumanie, c'est que les gens j'ai une étiquette de paysagiste comme Claude, comme Marc, etc. Et là, en fait, ces derniers temps, j'ai beaucoup photographié les gens. Et donc je voulais voilà. Inscrire les gens dans ce travail. Et là je reviens d'Inde où je n'ai photographié que des gens. Comment c'est venu les gens? Parce que c'est le Japon donc qui a vraiment fait oui. La bascule. Non la Chine je dirais plutôt après le grand voyage en Chine. Ah oui. Ah oui après le Tokaido. Oui. J'ai commencé à avoir moins peur. Ah, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Hein, et
Là, je suis capable, dans la rue, d'arrêter des gens et de leur demander de s'arrêter un instant pour moi, pour que j'ai photographié. Il y a 30 ans, j'étais incapable de faire ça. Voilà, c'est tout. Et tu te promènes avec un pied, un gros appareil. Oui, donc, oui, ça impressionne déjà, toujours. Ça impressionne, c'est... oui. Ça fait sérieux temps, quand même. Hein, voilà, voilà. Donc, je ne suis pas le touriste là avec son petit machin qui va... C'est posé. Non, puis c'est posé et on sent qu'il y a une disponibilité des personnes qui sont photographiées. Oui, oui. Puis, puis ce sont des rencontres qui sont effectivement très brèves. Alors, parfois, dans d'autres circonstances, comme ça a été le cas, par exemple, lors de ce séjour en Inde, je rentre chez les gens. Donc, je vais photographier les gens chez eux. Donc, on a le temps, via un interprète, de discuter, je leur demande qui ils sont, d'où ils viennent, quelle est leur situation, etc. Mais là, dans la rue, on ne demande pas grand-chose. Simplement, c'est un échange, je dirais, un échange courtois entre des gens qui se font juste un petit plaisir, comme ça. Je m'arrête, tu me photographies, tu t'arrêtes, je te photographie. Voilà. Mais ça, c'est vraiment... Pour arriver à ça, c'est extraordinaire, parce que souvent, on peut avoir tendance à vouloir faire la photo, oui. Alors que c'est simplement une disponibilité avec des gens. Mais il faut que la disponibilité soit réciproque. Il n'y a aucune contrainte. Et donc la photo se fait dans les premières secondes, sans même appuyer. Ah, tout à fait. Moi, je ne suis pas capable de photographier. Si je passe une journée entière avec une personne, je ne peux plus la photographier. Donc, moi, j'ai besoin de cette immédiateté, comme ça, saisir quelqu'un dans la brièveté d'une rencontre. Voilà. C'est en lumière naturelle, il n'y a pas de flash, de rajouter. Rien du tout. Non, mais ça, c'est pas... C'est trouver ce contact avec les gens, c'est pas donné, quoi. Et peut-être qu'avec l'expérience, la maturité... Oui, puis là, je suis vieux maintenant, là, je fais moins peur aux gens. Bon, Jean-Luc, comment as-tu choisi cette série de photos? Alors, d'abord, je voudrais dire à Georges que ça fait 35 ans, hein, et pas 50. Qu'on se connaît. Le débat sur les gens, on a envie de mettre des guillemets, mais m'intéresse beaucoup parce que c'est quelque chose qui n'apparaît pas forcément sur les images. Hein. Moi, je suis classé paysagiste, comme pas mal d'individus ici. Et en fait, il faut être absolument convaincu d'une chose, c'est que quand on arrive dans un endroit qu'on connaît mal, qu'on connaît pas du tout, il y a des individus qui circulent dans ce paysage et qui savent beaucoup de choses. Donc, personnellement, j'ai toujours eu une relation très forte avec les occupants. Et ils n'apparaissent pas souvent dans les images, de temps en temps, mais très peu. Ce n'est pas quelque chose que je recherche, mais c'est une indication très, très forte et souvent assez jouissive, d'ailleurs, puisque j'ai une question, par exemple, que je pose assez souvent à toutes sortes d'individus, c'est sur l'idée de beauté, y compris des gens qui reçoivent cette question pour la première fois, et on a toujours des réponses fortes, comme si on allait chercher parfois une sorte de secret enfoui. Je leur offre, et d'autres le font, j'imagine, cette opportunité-là de dire un certain nombre de choses. Et on est à la fois dans le quotidien, et puis on peut nous parler de lumière, très sérieusement, de sorte de miracle comme ça rencontré. Voilà, c'était pour les gens. Donc, le choix... Tu fais beaucoup de noir et blanc, tu es connu pour des noirs et blancs profonds, etc. Mais aussi de la couleur. Je tire le noir et blanc, toujours. Aussi de la couleur. Tu tires aussi le couleur. Ah, oui. Oui. Et j'ai une passion pour le négatif. Je ne sais pas si Marc a connu ça, mais l'école américaine où on développe... Il y a un clivage très fort entre l'Europe et plus maintenant, puisque plus personne ne fait de négatif, mais entre les États-Unis et l'Europe, hein, sur la qualité des négatifs, avec la précision des développements... Disons qu'en Europe, globalement, on fait une photographie, on développe n'importe comment, on se débrouille au tirage. Et puis, de l'autre côté, il y a une passion pour le négatif, qui, dans le cas d'Adams, par exemple, va jusqu'au niveau religieux et autres. Voilà. Bon, je ne suis pas là pour parler de ça. Mais moi, je suis de cette école-là, c'est-à-dire une sorte de précision dans le développement négatif qui apporte un certain nombre de choses, y compris dans, bien sûr, la sensation qu'on peut avoir devant une photographie, qui est quelque chose de l'ordre du volume et un tas de choses comme ça. Mais ça, c'est pas le sujet de l'image. Est-ce que la photographie, pour toi, a un format idéal ?
Non, franchement, non. Là, je sors d'un... Enfin, je travaille en carré, un petit peu en 6-9, donc en rectangle. Et je sors d'un film là, auquel j'ai participé en cinémascope. Donc, tu imagines la gymnastique intellectuelle pour passer du carré au cinémascope. Mais on s'y fait très vite. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les choses s'organisent, s'établissent assez rapidement. Et puis, voilà, on place à l'intérieur du cadre les choses qu'on a envie de placer. Et alors, comment c'est, racontez-nous comment vous avez un long compagnonnage avec Éric Audinet depuis. Pareil, oui. D'ailleurs, son texte, c'est une lettre adressée. Oui, voilà. Tout à fait, oui. Je laisserai en parler après, mais je vais en dire deux mots. Long compagnonnage, et en fait, j'essaie effectivement à chaque fois de le surprendre un peu, ce qui est très très difficile, puisqu'il connaît à peu près 95% de mes photographies. Donc malgré tout, je tente ça. Et quand on me propose ce genre de choses, là, qui est une des choses qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire la forme brève, dans laquelle on peut espérer être un peu plus incisif, un peu plus... Je pars toujours de la même idée, qui est globalement de montrer cette photographie dont je pense qu'elle tienne la route. Et en fait, ça ne tient absolument jamais. Je m'embarque toujours dans un jeu chronologique, un rapport plus ou moins direct, parfois pas très direct d'ailleurs entre les images, pour aboutir, disons, une image préalable jusqu'à une image de départ. Et ça, je peux le faire... Il m'est arrivé de le faire sur 110 photographies, par exemple, excluant par là même des tas de photographies peut-être plus... Donc c'est pour, par exemple, le livre Nature. Oui, voilà, par exemple, mais dans d'autres aussi. Livre sorti, oui. Il y a 4 ans ou 5 ans, chez, oui, Gallimard, 4 ans, oui. Avec un texte... La Cleftine. La Cleftine, et puis... Et Muriel Barbery. Donc j'ai choisi 7 photographies de manière assez difficile. Partant effectivement d'une trace avec une forme particulière, l'idée de l'empreinte, pour aller jusqu'au regard à travers un animal, un végétal et un arbre, puisque c'est un sujet qui me semble assez intéressant comme photographe. Et j'ai livré ça à Eric qui a fait ce texte, qui a eu le... Comment dirais-je, cette idée, mais qu'on a déjà pratiqué dans d'autres livres, mais cette fois d'une manière singulière, de récupérer ou d'accrocher les images au texte, hein, de manière parfois directe, d'autres fois plus difficile à cerner. Voilà, il a fait un texte dont il va vous parler. Éric, tu en parles ? Ou tu veux que j'en parle ? Quand Jean-Luc m'a proposé ma première réaction, ça a été non, ça suffit. Parce que c'est vrai que, alors effectivement, pas 50, mais ça fait un bout de temps. Et puis alors surtout, il y a un point important, c'est qu'on n'est absolument pas d'accord avec Jean-Luc, ni sur la photographie, ni sur la littérature. Mais on a les mêmes centres d'intérêt. Et je pense que c'est ça qui fait que depuis 35 ans, et bon, il se trouve que je suis éditeur aussi, donc on a pu expérimenter très vite cette question-là qui était qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ce problème, quand on regarde l'histoire de la photographie et du texte, on voit que ça a recouvert tellement, tellement, tellement de rencontres différentes, de modes différents, de techniques différentes. Souvent assez médiocre, parce que finalement, je trouve qu'il y a peu de réussite dans ce domaine. Et pourquoi est-ce qu'on s'est mis à faire ça ensemble ? C'est parce qu'on a commencé à faire des livres ensemble. Et puis on s'est aperçu que chacun faisant son chemin, mais parce qu'il y avait des centres d'intérêt qui étaient communs, à un moment, ça, on arrivait à se rencontrer. Alors là, quand il m'a dit... Est-ce que tu veux... Alors, je lui ai dit, comment faire pour parler, effectivement, d'images que je connais bien, comment faire pour parler de la manière dont Jean-Luc voit de plus en plus la photographie et le rapport à la question picturale, qui, moi, est quelque chose qui me gêne beaucoup, que j'aime pas du tout,
même dans, dans la photographie. Donc on a, voilà, les désaccords sont, sont multiples, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de centres d'intérêt, et puis, je crois aussi beaucoup de, d'amitié, beaucoup d'histoires qui se sont faites. Et donc je me suis dit, là, je ne peux pas à nouveau faire... Donc je me suis dit, je vais lui écrire une lettre pour lui dire que j'aime pas trop... la façon dont les choses avancent, mais en même temps, parce que les photographies sont, très belles, même si j'aime pas la manière dont elles sont... Enfin, j'aime pas, je suis pas d'accord avec la manière dont elles sont pensées. Et lui est pas d'accord non plus, Jean-Luc, avec... moi, j'ai tendance à aller de plus en plus vers des choses très froides, très l'air de rien... Et je suis gêné par la, le côté adamsien, justement, tu parlais qui est de plus en plus fort dans ton travail et qui aboutit à des images de plus en plus belles. Et c'est pour ça que la lettre finit par la question de la grâce, parce que je pense que certaines images de Jean-Luc et probablement certaines qui sont dans cette... arrivent à quelque chose qu'on éprouve par ailleurs dans un certain nombre de centres d'intérêt commun. Alors, je vais dire bêtement comme ça, avec tous les guillemets qu'on peut mettre dans la vie. Coupure un peu la vie, le travail. C'est... Et qui sont des moments pour nous de grâce. Et que ces moments de grâce, ils se matérialisent chez l'un et l'autre, que ce soit d'ailleurs raté ou pas, dans... la production comme ça d'images, de textes. Ça t'embête que je te dise ça, ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on a passé 2h30, parce qu'on est venu de Bordeaux, on est désolé d'être en retard, mais on tenait à être là, et puis on est content, vraiment content d'être là, mais on n'a pas dit un mot pendant ces 2h30 de pourquoi on avait fait ce truc ensemble. C'est parfait, hein, vraiment c'est parfait, c'est une très belle démonstration. Et là, l'heure avance, si vous voulez, il peut y avoir une ou deux questions, et sinon après on vous est invité à boire un verre pour continuer à discuter de façon tout à fait informelle. Il y a des petites choses à grignoter, à découvrir. Une question ? Ah, tu dirais un mot à la fin ? Alors ? Non, pas de question. Ah. Bon, merci à tous. Hein. C'était passionnant une fois de plus. Comment est-ce que vous avez pensé l'alternance entre les textes et les images ? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de rythme organisateur. Est-ce que c'était un principe concerté ? Non, c'est le hasard total. Mais après, c'est Georges qui a beaucoup travaillé sur la question. Parce que parfois, c'était comme avec Catherine Ternaud et Marc Deneyer, là, un texte, une photo. Et après, c'est le maître qui a agi. Non, c'est vrai aussi pour Eric Audinet et Jean-Luc Chapin. Le texte est accroché aux images. Donc ça, c'est assez simple, en quelque sorte. Enfin, quand je dis il est accroché, je veux dire le texte parle des images d'une manière ou d'une autre, de façon plus ou moins allusive, tac, on sait que c'est de ça qui parle. C'est parfaitement explicite. Alors évidemment, quand on fait un travail de conception et de mise en page, il faut lire les textes. Il y a beaucoup de graphistes qui ne lisent pas. Hein. Je dis ça parce que beaucoup d'éditeurs ne lisent plus les textes. Aussi. En tout cas... il y a des choses qui sont données. C'est comme, alors Thierry Girard parlait tout à l'heure de l'aisance grandissante avec laquelle il fait des portraits. Je pense qu'il est devenu suffisamment bonhomme pour que des gens lui donnent la photographie qu'il prend. Il faut entendre le sens des mots. Hein. Lui, il prend des photographies, mais ses modèles, là, lui donnent. Et ça, c'est gratuit, c'est généreux, c'est de la dépense en pure perte. Eh ben, c'est pareil quand on fait un travail entre des textes et des images. Il y a des choses qui nous sont données. Il y a plein, heureusement, là, dans ce livre-là, il y a beaucoup de choses qui sont données, littéralement. Elles sont en place avant même qu'on ait commencé à brasser la matière.
Donc ça, c'est une chance terrible. Mais c'est aussi parce que pour certains, pas, peut-être pas tous, mais pour quand même beaucoup des collaborateurs de ce livre, il y a une sorte d'expérience aussi. C'est des vieux briscards, en quelque sorte. Donc ils savent comment on calibre un texte pour accompagner une série d'images. Vous voyez, c'est un truc... Je ne sais pas comment dire ça, parce que ça ne correspond pas à une série de recettes ou de règles explicites, pas du tout. C'est beaucoup plus intuitif que ça. Mais il y a une forme de complicité, disons, qui est plus ou moins grande, plus ou moins visible, plus ou moins transparente. Alors quand elle est explicite, il n'y a plus qu'à mettre en ordre, c'est comme un bouquet de fleurs, mais on évite les frictions, c'est tout. Oui, c'est parfait. C'est un exercice de liberté qui était proposé aux uns et aux autres, d'où cette grande diversité. Alors sur le don, là, j'ai accompagné plusieurs fois. Marc Deneuillère fait très très peu de portraits, mais je l'ai accompagné plusieurs fois, et à chaque fois, la photo est donnée. Je me souviens, par exemple, on est allé avec Jacques Viglet sur les lieux de son enfance à Cognac. Et on avait déjeuné avant, etc. On n'a pas parlé de photos, évidemment. Etc. Et puis, donc, il était devant un lieu dont il se souvenait, et avec son petit chapeau, et Marc avec sa chambre. Enfin, non, c'était un 6-6, c'était la chambre. Et voilà, et donc, il dit, vous regardez, c'est vous qui faites la photo. Dans 3, j'appuie. 1, 2, 3. Voilà, après, il s'est rapproché, il a fait 3 photos, et c'est extraordinaire, parce que il est là. C'est vraiment un des plus beaux portraits de Jacques Viglet. Il est présent et sans effort, il est là. Parce qu'il y a cette relation, comme le disait Thierry, cette relation de confiance qui fait qu'on n'a pas besoin de 2 heures. 3 photos, ça peut suffire pour avoir la personne. Parce qu'elle donne. Voilà. Il faut être là, il faut être discret aussi. Il faut être très, un peu en retrait. Ça m'avait frappé. Marc, il disait, je ne vous regarde pas, c'est vous qui faites la photo. Voilà, c'est vraiment très bien. Voilà. Oui. Non, non, mais Marc est toujours sur la réserve. Vas-y, dis-nous 2 choses. Pourquoi tu n'aimes pas les portraits? Tu n'aimes pas les gens? Oui, ça marche. Oui. Prenez celui-là marche. Ah bon, pas de chance. Merci. Oui, j'entendais Thierry qui disait que plus les années passaient, plus les gens venaient à lui naturellement, sans effort. Alors que pour moi, c'est vraiment c'est un chemin de croix. Quand je suis dans un paysage et que je vois une personne à 1 kilomètre, 2 kilomètres, un agriculteur, un tracteur, n'importe quelle trace de vivant, je disparais aussitôt. Vivant humain, parce que les arbres, vivant quand même. Non, non, non. Et en fait, c'est pas absolu non plus. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que pour moi, c'est un réel effort d'aller vers les gens. C'est un réel effort. Et je ne peux pas dire comme Thierry, hélas, que ça s'améliore avec les années qui passent. Mais si, j'aurais bien aimé. Ah oui, Là, je suis fier. Ah, d'accord. C'est pas si simple que ça. Non, non. Quand j'ai passé là 3 semaines en Inde, donc tous les jours à rentrer dans les maisons, il y a des moments où on se dit, j'étais accompagné, alors donc je me sentais un petit peu obligé parce que c'était souvent les personnes qui m'accompagnaient, qui prenaient contact, etc. Une fois que les choses sont en place, ça va. Mais il y a juste se pousser un petit peu. Hein. Mais effectivement, Georges a raison, c'est un don. Mais aussi, je voudrais juste une petite anecdote qui concerne un autre photographe, Marc Trivier, qui a fait un magnifique portrait de Robert Franck. Et il m'a raconté comment ça s'est passé. En fait, il bidouillait son 6-6 comme ça qui était sur son pied, etc. Et puis Robert Franck commençait à se dire, mais je suis tombé sur quel type de photographe là il va réussir à faire une photo, etc. Et en fait, en bidouillant, il faisait des photos. Et donc du coup Franck n'a pas posé, il était là mec un peu inquiet en se disant, bon, je suis vraiment tombé sur le bon photographe, voilà. Et c'est un magnifique portrait.
Surtout pas pour te contredire, mais je tiens de Marc Trivier lui-même une autre anecdote qui va un peu dans le même sens, mais oui. qui est pratiquement presque l'inverse. Il faisait aussi, il me l'a dit souvent de fois, il faisait semblant de faire des photographies, c'est-à-dire qu'il avait un 6-6 bi-objectif, tu sais, avec la manivelle. Oui, là, oui, c'est ça. Le modèle, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était le genre... C'était des relais, relais bi-objectifs. Ouais, c'est ça. C'est ça, là, ouais. Et donc, il faisait un nombre de X de photos, peut-être l'équivalent d'un film, c'est-à-dire 12. Il tournait la manivelle, etc. Et je dis au passage qu'il photographiait beaucoup de vieillards. Hein. C'était son goût, il avait une sorte de passion pour les vieillards. Et donc, les vieillards en question, fatigués au bout d'un moment. Et puis, ils s'affaissaient un peu. Puis, ils perdaient contenance. Et puis, finalement, alors, il y a des portraits formidables, oui. principalement d'écrivains oui. et d'artistes, mmh. de peintres en particulier, qui sont des portraits uniques, Trivier et immenses de ce point de vue. Oui. Parce qu'il avait trouvé ce truc qui consiste à photographier les gens au moment où ils cessent de poser, quoi. Alors, pour telle ou telle raison, effectivement. Oui, oui, oui. Voilà. Mais d'où la nécessité aussi de faire souvent au minimum deux photos. Parce que la deuxième, il y a déjà un léger relâchement. Et moi, globalement, je fais en général deux photos. Et c'est souvent la deuxième qui est la meilleure. Parfait, merci beaucoup. Eh bien, nous sommes entendus à l'étage. Il est tard. Merci.